Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Voilà. Aujourd'hui, on va reparler de Linto. J'avais déjà parlé un petit peu de Linto, qui était tout simplement une plateforme où vous pouviez investir dans des startups ou des sociétés qui ont vraiment un gros potentiel. On peut voir là actuellement, vous avez vu Polysign, Linto, Cerebras, l'intelligence artificielle, Samba Nova, Epic Games, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et on en reparlera Ledger. Voilà. Donc on va cliquer sur Ripple. Voilà. Donc à l'époque, je crois que c'était à 28 ou 29 dollars. Maintenant, actuellement, le prix de l'action est à 36 dollars. Et tout simplement, bah, plus on va arriver sur une entrée en bourse imminente, plus le prix va tout simplement augmenter. Le prix de l'action Ripple. Voilà pourquoi il est important dans ce genre d'entreprise d'investir dans ces startups, d'investir vraiment très tôt. Voilà. Donc pour les personnes qui tout simplement hésitent un peu à investir sur le XRP, n'ayant pas de connaissances sur la crypto-monnaie ou tout simplement ne pensant pas que le XRP a un gros potentiel, peuvent à ce moment-là, si ils ont quand même des fondamentaux et qu'ils ont étudié un petit peu Ripple et qui pensent que cette société a un bel avenir, peuvent tout simplement investir sur Ripple. Seul problème de Linto, c'est que tout simplement les investissements sont de minimum 5000 dollars. Donc ça fait quand même vraiment très mal. Mais pour les personnes qui ont des gros portefeuilles, ça peut être vraiment très intéressant. Tout simplement parce que, à mon avis, ce genre d'actions sont un petit peu, ces entreprises sont du Web 3.0, sont un petit peu les futurs, comme les GAFAM au début, comme Amazon, Facebook, etc., au tout début, avant d'être entrées en bourse, et qui ont après explosé à la hausse. Et je pense que ces entreprises du Web 3.0, quand il va y avoir une démocratisation de la blockchain et de ces entreprises, et bien tout simplement, ça va exploser. Voilà. Donc, c'est le seul bémol pour Linto, c'est qu'il faut vraiment mettre un. C'est pas tout le monde qui peut mettre 5000 dollars, c'est quand même. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est énorme. Mais en tout cas, ça peut être un pari intéressant et aussi une sécurité pour les personnes qui pensent que, par exemple, le XRP va être interdit plus tard. Il y a un petit peu des rumeurs qui disent que si le XRP devient la monnaie de liquidité mondiale institutionnelle des banques, bah, tout simplement que on va être obligé, les gens vont, soit ça va être interdit, mais je ne pense pas, soit va être racheté par le gouvernement, tout simplement comme dans les années 30 où ils avaient interdit l'or et je crois que la population avait vendu leur or pour à l'époque 20 dollars. Mais c'était déjà intéressant, mais rien par rapport à la valeur réelle, en tout cas de l'or à l'époque. Voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça peut être une opportunité et surtout, ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est, je pense, Ledger. Ledger vient juste d'être mis, alors ça a été mis hier sur Linto. Malheureusement, c'est, vous voyez là, fully subscribe, c'est déjà parti, mais à une vitesse, vous pouvez même pas imaginer, c'est parti super vite.
Tout simplement, tous les gens ont tout de suite investi dessus. Il n'y avait pas un gros lot dessus, il n'y avait pas énormément non plus, mais je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, enfin, moi, je suis hein, de toute façon abonné, je reçois les mails, mais de s'inscrire à la newsletter et de voir quand il y a des actions Ledger qui sont tout simplement dispatchées, parce que là, je pense que ça peut être, on va cliquer dessus, vraiment une opportunité. Regardez le prix, c'est 11,50. Donc, je ne pense pas que dans quelques temps, ça sera à 11,50. Donc, ça peut être une opportunité, mais bien sûr, c'est pareil, il faut investir 5 000 $. Donc, c'est vraiment les gens qui investissent sur LinkedIn, c'est des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent et qui continuent à faire fructifier leur argent. Voilà. En tout cas, Ledger a un gros potentiel. Hein. Ils ont plein de choses en projet. Tout simplement, au prix où c'est là, à 11,50, franchement, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc, les entreprises à surveiller, pour moi, c'est tout simplement Ripple. Toujours, ça reste intéressant à 36 $. Et Ledger à 11,50, et aussi cette entreprise qui est déjà reliée tout simplement à Ripple, c'est Polysign pour les gens qui connaissent. Voilà. Et qui est. Hop. On va regarder. Ouais. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez, sur toutes les entreprises, vous avez quand même pas mal d'informations. Assez intéressante de voir qui investit dans ces sociétés. Vous voyez par exemple dans Polysign, vous pouvez voir quels sont les fonds d'investissement qui investit et faire un peu vos recherches. Il y a des choses assez intéressantes à voir, même pour Ripple. On peut aller voir ça. Hop. Voilà, là on peut voir un petit peu aussi les groupes qui investissent tout simplement dans Ripple. Et après de faire ses recherches, de voir un petit peu. Voilà, voilà pour Linto. Évidemment, c'est pas le portefeuille pour les personnes lambda, c'est pour des gens qui ont pas mal d'argent. Et je pense que de toute façon, ils connaissent tout simplement ces equity, ces plateformes equity où vous pouvez investir. En tout cas, sur Ledger, je pense que c'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est parti très vite et il n'y en avait pas énormément. On va voir si il va y en avoir d'autres. Je pourrais peut-être avoir l'information dans la mesure où je connais quelqu'un de haut placé sur Ledger. À voir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que je vais faire un petit jeu concours très bientôt sur Telegram. Vous pourrez gagner des XRP ou un avoir sur certains investissements. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Ciao.